Salut grand frère, c'est Hélène. Je t'ai préparé les bouquets, ils sont prêts à la boutique. C'est mon assistante qui les a. Au fait, je t'ai réservé le train de 15h15. Tu trouveras le billet avec les fleurs. N'oublie pas de me rappeler. Gros bisous, à plus tard. Bonjour. Y a quelqu'un ? Oui, j'arrive de suite. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Bonjour, madame. En quoi est-ce que je peux vous aider ? Je suis le frère d'Hélène et je viens chercher le bouquet. Mais oui, bien sûr. Excusez-moi, je ne vous ai pas reconnu, mais maintenant c'est sûr, il n'y a pas de doute. Hein. Vous êtes bien frère et sœur. Elle en a disposé deux derrière. Je vais vous les chercher. Lequel vous convient ? Les deux sont très beaux, mais je prendrai le jaune. Et le billet ? Merci. C'est pour une occasion romantique, monsieur. Non. Romantique. Non, mais c'est bien pour une occasion particulière. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, madame. Cache-toi là. Monsieur, je les ai vus partir dans cette direction. Rattrapez-les, hein. Putain, ça va chier, petit con. Allez, file. Allez, petit. Oui. Merci. C'est pas vrai, putain de bon Dieu! Un souci, jeune homme? Non, non, je suis en train de pêcher, là. J'attends de voir si ça mord, hein? Démarre pas, c'est ça? Je sais pas ce qu'il y a. Quand je fais démarrer, ça coupe, puis après ça repart, puis ça ralentit, j'y comprends rien. Je peux essayer? Ouais, si vous voulez, ouais. Bon, déjà, la courroie est détendue, mais c'est pas ça. Je vais vérifier l'allumage. Quoi ? Rien. C'est juste que j'aurais voulu savoir faire ça. Seulement, non, je suis pas foutu de le faire. Ah, c'est pas sorcier. Ton père t'a jamais appris à trafiquer dans les moteurs ? Mon père ? Il s'est jamais occupé de moi quand j'étais petit. Alors, pour m'apprendre à réparer une bagnole, il était pas là, quoi. C'est pas la courroie, mais c'est les fils ici. Ils sont débranchés, regarde. Appuie. Appuie. Fort. Fort. Voilà. Et ensuite ? Va démarrer.
Eh ben, tu vois, c'était pas si sorcier. Tu t'es très bien débrouillé, finalement. Où est-ce que vous avez appris à faire ça? À l'armée, et puis à droite à gauche. J'aime bien bricoler, et puis c'est toujours intéressant de faire ça. Quelque chose de ses mains, tu sais. Ouais. Bah, merci. Avec plaisir. Ma femme pétait dans son sommeil. Enfin, un sourire. Mais vous êtes qui, vous? Oh, moi, rien qu'un vieil homme qui attend. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive pour avoir une si mauvaise mine? Je peux vous ennuyer avec ça, c'est long, c'est chiant. J'ai tout mon temps. Bah, je viens de vous faire un casting, voilà. J'ai 25 ans, je ne suis pas encore chez mes parents. Je fais absolument rien de ma vie. Comment ça? J'ai encore échoué dans ce que je voulais faire, quoi. Moi, je voyais grand. J'avais des rêves, je voulais être acteur. C'est trop dur, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. J'abandonne ça. Mais le pire, vous savez, c'est le regard de mépris de mes parents. Je vois, ils sont déçus. Je suis qu'un boulet, de toute façon. Au final, ça allait assez vite. Ma vie, c'est ça, c'est une succession d'échecs constants. Je suis un raté. Vous dites plus rien? Tu as raison, la vie, c'est de la merde. On passe son temps à attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais il y a du bon dans ton récit. Ah ouais, et quoi? D'avoir échoué. C'est ça qui est bon? Ouais, tu as commis des erreurs. Bon, ça prouve au moins que tu as essayé. Parfois dans la vie, il faut commettre des erreurs pour y arriver. Et comme ça, la vie, c'est plein de mystères. Alors ne reste pas abattu par un simple échec. Parce que des échecs, t'en auras d'autres. Plein d'autres. Et même certains qui te feront avancer. Et pour ce qui est des parents, sache une chose. Tous les parents, moi le premier, on est fiers de nos enfants. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'il arrive, on restera fiers d'eux. Parce qu'au bout du bout, on sait qu'ils vont réussir. Alors n'aie pas honte de toi. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Merci, monsieur. Vraiment, merci, quoi. Et n'oublie pas que, quitte à faire un échec, autant en faire un qui a de la gueule.
Bon anniversaire, mon fils. Si j'avais pu t'aider.